Bonjour, je me présente, je suis un élève de la 5e E du collège Albert Camus. Vous vous trouvez devant la porte du château, qui appartenait à la famille d'Agoult au XVIe siècle. Néanmoins, nous vous proposons de découvrir notre ville à l'extérieur du château. Il faut savoir qu'au XIe, XIIe et XIIIe siècle, la famille Bertrand vivait dans une maison forte à l'intérieur du village. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de traces de son existence. Au XIVe siècle, la famille Sabran a construit le donjon devant vous, qui permettait de protéger tous les villageois. À votre droite et à votre gauche, vous pourrez voir les douves, qui autrefois étaient remplies d'eau. L'eau provenait de l'étang de la Bonde, par un canal qui se situait dans la rue du Parc que vous pouvez voir si vous reculez de 4 pas à l'angle du château à votre gauche. Lorsque l'on ouvrait la trappe à votre droite, soit une martelière, l'eau permettait d'activer les moulins. Il existe encore un moulin en contrebas que vous pourrez apercevoir en vous approchant du bord sur votre droite. Derrière vous, vous avez aujourd'hui la place Jean Jaurès, le parking, où se trouvaient les combes, soit un grand fossé. Je vous remercie et vous propose de rejoindre la porte de la Burlière pour une nouvelle bande son.